Éternel Dieu Père, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'incomparable grand Dieu, qui donne la vie éternelle à tous ceux qui viennent à toi. Merci Père éternel, de ce que ton assistance a toujours été parfaite parmi tes enfants. Béni garde Père éternel une fois de plus. Mets en nous Père éternel la crainte de ton Saint-Nom. Mais en nous, Seigneur Jésus-Christ, la soif de comprendre ta parole et la mettre en pratique. Béni garde Père, ton puissant nom, nous en supplie, Seigneur Jésus. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, l'agneau immolé. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être là présents. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Vraiment, nous allons partager la parole. Nous allons partager, en fait, ce petit thème que nous avons ici. À tout vent des doctrines, cela signifie quoi? À tout vent des doctrines signifie quoi? Nous allons un peu en parler, mes bien-aimés. Sachant que, de nos jours, mes frères, nous assistons à plusieurs sortes de doctrines, parce que nous comprenons qu'une doctrine signifie un enseignement. C'est-à-dire que, en fait, un ensemble de principes, un ensemble de paramètres pour alors expliquer une certaine pensée par rapport à un évangile donné. Alors aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a plusieurs faussetés qui sont venues, mais c'est à nous alors d'être prudents. D'être prudent, mais bien aimé, parce qu'il y a plusieurs faussetés qui se sont introduites parmi nous. D'ailleurs, cela n'est pas une nouvelle pour nous. Nous sommes déjà au courant qu'il y aura plusieurs faux qui viendront parmi nous pour égarer alors les brebis du Seigneur. Bien aimé, nous allons demander aux frères bienvenus de nous aider avec 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. 1 Timothée 6, 3. 1 Timothée 6, 3 à 5. Très bien. Timothée, chapitre 6, le verset 3 à 5. 6, le verset 3 à 5. Je lis dans le nom de Jésus. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'attendements privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, nous comprenons ici que la parole est en train de nous mettre en garde. Toute personne qui vient alors à nous, soi-disant, avec d'autres intentions qui n'ont rien à voir avec la piété. La piété ici, c'est un attachement fervent vers le Seigneur, un attachement à Dieu, vraiment un attachement au Père. Alors, toute personne qui vient à nous, soi-disant serviteur de Dieu, mais donnant alors un enseignement qui ne correspond pas à l'enseignement que le Seigneur Jésus nous a donné, c'est alors que vous allez comprendre que ce sont alors des faux qui sont venus parmi nous pour alors mener plusieurs personnes à la perdition. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas alors accepter n'importe quel genre d'enseignement. Un enseignement qui ne correspond pas à Christ. Un enseignement qui ne te donne pas la vie. Un enseignement qui t'amène à la perdition. Tu ne peux pas le suivre. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est enraciné dans la parole.
Tu es enraciné dans la parole. Tu es une pierre qui est solidifiée. Tu ne peux pas te laisser emporter par tout vent de doctrine. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les médias, en fait, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. Il y a plusieurs faussetés dans les médias. Donc il faut vraiment faire très attention avec ce que nous voyons dans les médias, mes bien-aimés. Ce que nous voyons dans les médias, il faut faire très attention avec. Parce que quand nous venons dans les médias, vous allez voir que plusieurs mauvaises choses qui ne confessent même pas le Seigneur. Des pratiques qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle. Rien à voir avec le Seigneur. Les gens sont en train de prendre les choses mosaïques et on vient avec dans l'église. Oh non, il faut d'abord bâtir un autel. Il faut bâtir un autel avant de prier pour toi. Rien à voir avec l'évangile de Christ. Rien à voir avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien à voir. Il faut d'abord bâtir un autel. Il faut faire. Il y a plusieurs choses qui viennent là-bas qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Nous qui sommes chrétiens, nous devons nous baser sur l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce qui donne la vie éternelle. C'est cet évangile qui nous donne la vie, cet évangile qui nous amènera au paradis. Toute autre chose qui vient là-bas, qui n'ont rien à voir avec ton salut, toute autre chose qui sont ajoutées, qui n'ont rien à voir avec ta vie spirituelle, il ne faut même pas mettre ta foi là-bas. Donc, la Bible nous prévient, il y aura plusieurs faux qui viendront. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée, frère ministre, si tu peux prendre 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, le verset premier. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vas-y, mon frère. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure, Électricité. dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, Jésus. Merci, ma bien-aimée. Bon, mes bien-aimés, nous voyons ici que le frère Paul est en train d'écrire, c'est-à-dire qu'il a écrit une lettre à son fils Timothée, mais qui sert alors à l'Église. Cette lettre sert alors à l'Église, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, qui est alors l'apostasie, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ce sont les doctrines que nous voyons aujourd'hui. Plusieurs doctrines. Un pasteur qui lave les femmes. Un pasteur qui va dire aux femmes, venez afin que je puisse vous laver. Malheureusement, les femmes en question vont se faire laver. Plusieurs, ça, toutes ces doctrines n'ont rien à voir avec le Seigneur. Rien à voir. La vente, des bougies. Vous savez plusieurs choses, rien à voir. Les doctrines des démons. Maintenant, si tu as une foi faible, tu vas te laisser emporter à toutes ces doctrines démoniaques. Par l'hypocrisie des faux docteurs, par l'hypocrisie des faux docteurs, ce sont des faux enseignants, les personnes que le Seigneur n'a pas établies dans le ministère. Le Seigneur n'a pas choisi. Des faux. Ils viennent enseigner des choses qui n'ont rien à voir. Prescrivant de ne pas se marier. Qui a dit ça? Qu'un homme ne doit pas se marier? Non. Contraire à la parole.
contraire à la parole. Le Seigneur ne nous a jamais interdit de se marier. Mais il vient et dit non, il ne faut pas se marier. Parce que si tu te maries, la femme peut te déconcentrer. Si tu prends une femme, en fait, tu ne seras pas concentré dans les choses de Dieu. Rien à voir. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Oh non, il ne faut pas manger le porc. Le porc, il ne faut pas le manger, c'est satanique. Or, ce sont des gens qui n'ont pas compris l'ancienne alliance. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir une foi solide. Un enfant de Dieu doit avoir une foi solide. Le Seigneur nous prépare pour l'enlèvement. Donc, il faut être enraciné dans la foi chrétienne. Il ne faut pas te laisser emporter par tout vent de doctrine. Voilà pourquoi nous avons toujours conseillé à nos frères, nos sœurs, de faire attention aux personnes que vous suivez dans les médias. Vous venez dans les médias, n'importe quel enseignement, vous suivez. N'importe quel. Donc, c'est comme si vous connaissez tous ceux qui enseignent dans les médias. Mais non, attention, il peut y avoir différence de compréhension. Il peut y avoir divergence et cela crée des confusions. Ça crée des confusions parce que ce ne sont pas tous ceux qui enseignent la parole, ce ne sont pas tous ceux qui prêchent l'évangile qui sont réellement, qui ont été réellement choisis ou soit établis. Ce ne sont pas tous. Donc il faut faire très attention, mes bien-aimés. Il faut être aux aguets parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs faux qui se sont introduits parmi nous. Dans la bergerie, il y a plusieurs faux qui sont venus là. Faut faire très attention, mes frères. Qu'est-ce que nous dit Hébreu, mon frère, bienvenue. Hébreu 13, 9. Hébreu 13, 9. Hébreu 13, 9. Hébreux chapitre 13, le verset. Voilà, le verset 9, oui. Le verset 9, d'accord. Alors, il est écrit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Gloire à Jésus. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ça dit que ce sont des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur nous a enseigné. Rien à voir avec ce que le Saint-Esprit nous montre. Plusieurs personnes retournent toujours vers l'ancienne alliance. Plusieurs personnes sont encore dans les pratiques de Moïse. Plusieurs personnes retournent encore dans le tabernacle de Moïse. Mais on va voir, mais ce sont des pratiques qui ne servent plus à nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, la Bible a dit, ce n'était pas l'exacte représentation des choses. C'était juste une ombre. Mais c'est le Christ qui est venu avec la vérité, ou soit l'éclairage de l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous suivons ce qui est conforme à la piété, ce qui est conforme alors à la saine doctrine, à la saine doctrine, là où il n'y a pas de mélange. La saine doctrine, c'est du pain sans levain. Il n'y a pas de mélange. Du pain sans levain. Il n'y a pas de mélange là-bas, mes frères. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs pratiques. Puis, quand vous partez dans ces églises, vous allez voir les pratiques qui sont là-bas. Les pratiques qui ne correspondent pas à l'évangile. Et ils ont même introduit plusieurs doctrines encore. La Kabbale juive. Oh, la magie sainte. Ça n'existe pas, ça. La magie sainte, plusieurs choses dans l'église, mais tous ceux qui n'ont pas la foi enracinée vont se laisser emporter. Tous ceux qui ne sont pas solides, les faibles dans la foi, vont se laisser emporter à tout vent des doctrines.
Et cela va causer alors la perdition de plusieurs personnes. Voilà pourquoi dans les médias, il faut faire très attention. Il ne faut pas suivre n'importe qui dans les médias. Parce que vous ne savez pas quelle est réellement sa foi, quelle est sa compréhension. Plusieurs personnes viennent dans les médias enseigner la parole par rapport à sa compréhension à lui, par rapport à sa façon de voir les choses. Mais ce n'est pas la façon dont la Bible a donné sa pensée. Parce qu'il faut comprendre que Dieu lui-même aussi, il a une pensée. Dieu nous a donné sa pensée. Mais plusieurs personnes, quand ils viennent, ils prennent ça à sa pensée à lui. Il dit non, non, selon moi, ça ne devait pas être comme ça allait être comme ceci, comme cela. Non, toi, tu dois rester dans le langage de Dieu, dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Dans la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons même avec les titres. Il y a maintenant des titres qui dépassent quelqu'un qui est archi-évêque. Je suis archi-évêque. Bon, en fait, où est-ce que vous trouvez ces genres de titres-là que nous ne voyons pas dans la saine doctrine? Dans la saine doctrine, on ne voit pas ça. Maintenant, vous, où est-ce que vous trouvez ça? Maintenant, comme ils se sont donnés archi-évêque, ils ont dit que non, on dirait archi-évêque, c'est trop bas. Il faut chercher maintenant des montées. Dis-moi, je suis général archi-évêque. Bon, on ne sait pas, ça joue quel rôle dans la sainte doctrine? Quel est son rôle dans la sainte doctrine? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ce sont des personnes qui sont venues dans la saine doctrine avec les rudiments du monde, avec leur compréhension. Ils sont venus avec dans la saine. Oh non, je suis apôtrice. Oh, mais est-ce que dans la saine doctrine, il y a des apôtrices? Est-ce que vous voyez ça? Donc, les gens ont pris leur conception. Ils sont venus avec dans l'église. Non, je suis pastéresse. Oh. Mais est-ce que dans la saine doctrine, il y a des pastéresses? Alors, maintenant, toute personne qui est faible dans la foi, tu vas te laisser emporter. Tu vas te laisser emporter à tout vent des doctrines, parce que ce sont des fausses doctrines. Bon, ils viennent à vous, bon, nous sommes un couple pastoral. Parce que moi, je suis pasteur, ma femme aussi est pastéresse. Maintenant, si maintenant l'homme est docteur, donc un couple doctoral, vous voyez que ce sont des choses qui ne correspondent pas à la sainte doctrine. Maintenant, l'homme est évangéliste, donc couple évangélique. Donc, ils viennent ajouter les choses dans la sainte doctrine. Voilà pourquoi la Bible a dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Mais eux, ils ont ajouté et ils ont retranché. Alors, si ta foi n'est pas solide, tu vas te laisser emporter. Voilà pourquoi, dernièrement, le frère Landé avait donné un enseignement ici, disant qu'il n'est pas bien, de nos jours, d'avoir plusieurs groupes, avoir plusieurs enseignements, et cela va vous perturber. Ce n'est pas parce que moi, je suis un enseignant de la parole, et tous les enseignants de la parole vont voir les choses de la même manière que toi et moi. Non. Il peut y avoir deux ou trois enseignants de la parole, mais tous n'ont pas les mêmes pensées. Tous n'ont pas la même façon de voir les choses. Nous pouvons voir les choses à 90%, mais les 100% là, divergence. Toi, tu vois autrement, moi, je vois autrement. Alors maintenant, quand vous suivez toutes ces personnes-là, ça peut causer de la confusion dans votre foi. Ça cause des confusions dans la foi. Des confusions. Donc, il faut faire très attention, mais ne vous laissez pas emporter à tout vent des doctrines. Tu vas dans une église, on vous dit, bon, ça va. Tu ne peux pas avoir une femme. Ça, c'est quel genre de Dieu qui va interdire à tous les hommes de ne pas avoir de femme? Non, un homme ne peut pas avoir une femme. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est quel Dieu?
Dieu ne peut jamais interdire le lota aux hommes d'avoir des femmes. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Donc, ce sont des doctrines qui ne confessent pas la piété dans le bon sens. Ils sont hors de l'évangile de Christ. Oh non, c'est pas mauvais. Un chrétien peut épouser une deuxième femme. C'est pas mauvais. La polygamie n'est pas mauvaise. C'est une bonne chose. Au Congo, on connaît un pasteur au Congo qui a 10 femmes. En fait, il est en train de faire ses programmes d'épouser la 11e. Je crois qu'elle va maintenant l'autre épouser la 12e ou la 13e. Mais il y a quand même des personnes qui suivent ce pasteur-là, qui vont dans son église. Ah, mes frères. Donc vous voyez là où nous disons que un chrétien doit avoir la foi et l'intelligence et la sagesse. Mes frères, mes sœurs, si tu as la foi, mais tu n'as pas l'intelligence, tu vas souffrir. Tu n'as pas la sagesse, tu souffres. Tu vois dans une église un pasteur qui épouse 11 femmes et il continue de chercher la 12e et la 13e, la 14e. Il vous promet la 15e, mais vous partez toujours chez lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, qui vous a fasciné, en d'autres termes, qui vous a ensorcelé. Donc, ce sont des gens à ne pas suivre. On voit maintenant aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. Donc, non, avant d'épouser une femme, il faut d'abord la connaître. Il faut d'abord la connaître. Peut-être elle est stérile. Toi, tu ne sais pas. Peut-être elle ne fera pas d'enfant. Toi, tu ne sais pas. Il faut d'abord la connaître. Après, tu l'épouses. Et les gens disent Amen. Les doctrines des démons. Les doctrines démoniaques. Et plusieurs personnes vont là-bas. Donc, l'évangile de Christ ne consiste pas à toutes ces choses. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à vivre la sanctification, la sainteté, la perfection en Christ, l'habit que nous avons. Le Seigneur Jésus a ouvert le voile. Il a ouvert le voile qui séparait le lieu saint, le lieu très saint. Mais il a donné alors la permission, le pouvoir à tout enfant de Dieu de s'approcher vers papa. Donc, faut pas te dépendre de quelqu'un. Même moi, le frère Armando, je vous l'avais déjà dit. Même moi, votre frère, quand vous me voyez enseigner des choses qui contredisent la Bible, quand vous écoutez une chose mauvaise du frère Armando, appelez-moi. Appelez-moi et dites-moi, frère Armand, moi je ne suis pas convaincu de ce que tu as dit. La Bible a dit comme ceci, comme cela. Personne ne sera contre toi, non. On va parcourir la Bible. Si réellement, si c'est moi qui me suis trompé et que tu as raison, on va glorifier le Seigneur. On dira gloire à Jésus. Tu as ramené ton frère sur le bon chemin. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le chrétien. Un chrétien doit être comme les Béréens. Tout ce que tu entends, toi, vérifie dans la Bible. Ce n'est pas comme aujourd'hui, un pasteur qui est tenté de prêcher, prêcher, prêcher. Après, il vous dit, donnez-moi Amen, donnez-moi Amen. Non, moi, je ne vais pas te donner Amen si je ne suis pas convaincu. Il faut que je sois convaincu avant de te donner Amen. Comment est-ce que tu vas m'obliger Amen? Donnez-moi un Amen. Non, 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 on ne va pas te donner un Amen parce qu'il faut que d'abord je sois convaincu de ce que tu dis. C'est alors que je dirai Amen. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui vérifie la Bible. C'est celui qui pense, réfléchit, voit les choses claires. Tu es une sœur en Christ. Tu vas dans une église. Le pasteur te dit, bon, puisque tu es stérile, tu ne fais pas des enfants. Donc, c'est ton mari à la maison qui a un problème. Donc, il faut d'abord que je couche avec toi. Après, tu iras avec ton mari, tu vas mettre des enfants. Mais réfléchis, réfléchis. Tu es une sœur, réfléchis. Tu viens à l'église, chez un pasteur dit, bon, ça va. Comme tu es un prophète, des problèmes, on va te délivrer, mais déshabille-toi. Mais réfléchis. Réfléchis. Comment est-ce qu'une chrétienne va faire ça? Ça, ce sont les doctrines des démons. Ce sont des doctrines sataniques. Un pasteur qui fait des massages aux femmes des autres. Mes frères, réfléchissons, non?
Ça, c'est quel genre de Dieu qui peut demander à un homme de faire des massages aux femmes des autres? Alors qu'il n'est pas médecin. Lui n'est pas médecin. C'est un pasteur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça pousse à la réflexion. Mes frères, vous savez, nous qui sommes dans cette génération, nous qui sommes de cette génération, on ne peut pas être comme nos anciens dans la foi qui sont passés. Non. Non, mes bien-aimés. Dans cette génération, à partir des chrétiens de Béréens, il faut que la tête travaille. Tu dois avoir la foi, mais sois sage. Sois sage. Jésus l'a dit non dans la Bible. Soyez prudents comme les serpents. Donc, tout ce que tu peux écouter, si ça te convainc, tu dis Amen, je suis convaincu. Amen. Mais si cela ne te convainc pas, ne dis pas Amen. Ne dis pas Amen. Tu appelles un homme de Dieu, oh, frère, bonjour, salut, moi je ne sais pas quoi là. Je veux que tu puisses prier pour moi. Va te dire, ok, ça va. Avant de prier pour toi, il faut d'abord m'envoyer une offrande. Il faut d'abord envoyer une offrande. Parce que Dieu ne peut pas te bénir sans offrande. L'offrande est comme un mort. Dieu veut que tu lui donnes 300 dollars. Et ce sont des gens qui n'ont même pas honte de vous dire ça. Dieu veut que tu donnes. C'est comme si Dieu a envie d'argent. Maintenant, vous aussi, vous prenez et vous envoyez. Vous prenez aussi l'argent, vous envoyez 300 dollars. J'ai envoyé 300 dollars à un pasteur pour prier pour toi. Mes frères, il faut pas se laisser emporter par tout vent des doctrines. Voilà pourquoi dernièrement, je disais à mes frères, tu vas quitter ton pays pour aller dans un autre pays. Oh non, je suis en train de chercher la face de Dieu. Donc, toi, tu vis en France. Tu quittes la France, tu vas en Côte d'Ivoire. Non, je vais chercher la face de Dieu. C'est comme si la face de Dieu est là-bas en Côte d'Ivoire. Eh, mes bien-aimés, mais réfléchissez, mes frères. Il faut réfléchir. Il faut pour moi, j'ai la foi. La foi, non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui examine les choses. Il faut examiner les choses. Voilà pour aujourd'hui, dans les médias, en fait, et dans les réseaux sociaux, il y a même plusieurs personnes qui disent que non, le frère X, c'est un sataniste, et le frère Z, moi, je ne sais pas comment. Mais examiner les choses. Il faut examiner ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues pour détourner la foi. On vous détourne la foi chrétienne. On détourne. Mes frères, peut-être vous ne savez pas, mais il y a plusieurs personnes qui ont abandonné, qui ont chassé de leur maison leurs propres enfants. Il y a plusieurs familles qui ont chassé de la maison leurs propres enfants parce que non, vos enfants sont des sorciers. On a chassé les enfants. Les enfants sont des sorciers. On chasse les enfants. Qui a dit ça? Le prophète a dit. Mais, il faut vérifier ça. Faut vérifier ça, mes frères. Donc, ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux. Qu'est-ce que nous dit les frères dans Actes? Frères bien-aimés, Actes 20-30, dis quoi? Actes 20-30, dis quoi? Actes 20-30. Nous sommes dans Actes, chapitre 20, le verset 30. Bien, commence à 29, 29-30, ok? Voilà. Continue, mon frère. Actes, chapitre 20, 20, 29 à 30. 29 à 30, d'accord. Alors, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oh, Jésus, Mais est-ce que vous voyez ça? Le frère est clair. Il dit qu'il sait, il sait, il sait. Moi, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses
pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, ils ne viennent pas pour l'amour du Seigneur. Ils ne sont pas là pour l'amour de Dieu, mais ils sont là pour leur propre intérêt. Ils sont là pour leur propre intérêt. Voilà pourquoi ils s'enrichissent. Les pasteurs, prophètes, les hommes de Dieu, en général, moi, je ne sais pas ceux qui sont là-bas dans ces églises, bâtiments partout, ils s'enrichissent. Et les fidèles continuent de pauvres. Est-ce que ça, c'est l'évangile de Christ? Mes frères, l'évangile de Christ ne peut pas être comme ça. Il n'y a que toi qui s'enrichis et les autres continuent dans la pauvreté. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Mes frères, quand vous voyez des églises pareilles, il n'y a que le pasteur qui ne fait que s'enrichir. Sa femme est là-bas au Canada. Ses enfants sont en Europe, moi je ne sais pas quoi. Il n'y a que vous qui souffrez. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Nous, dans l'évangile de Jésus, nous devons, en fait, voir nos frères, nos sœurs qui sont dans les souffrances afin de venir en aide. Ça, c'est l'évangile de Christ. Mais toi, je ne peux pas commencer à s'enrichir et les autres s'appauvrir. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Donc, ce sont des gens qui sont venus pour alors ne piller le troupeau. Ils sont venus pour piller les âmes faibles, ceux qui ne sont pas enracinés dans la foi. Vous allez alors vous laisser emporter à tout vent des doctrines, là où on enseigne des choses pernicieuses. On enseigne des choses pernicieuses qui n'ont rien à voir avec la grâce. Et ils sont partout, mes bien-aimés. Ils sont partout dans les médias, dans les réseaux sociaux. Ils sont partout. Faut faire très attention, mes bien-aimés. Faut faire très attention parce que nous traversons des moments difficiles. Le diable est là. Il veut alors entraîner plusieurs personnes en fait, après lui. Il faut toujours rester focus dans la parole. La vie de sanctification. Le Seigneur te révélera plusieurs choses. La sanctification. Remets ta vie entre le Seigneur. Il te révélera plusieurs choses dans la vie, afin que tu ne puisses pas à tout vent les doctrines, brrr, tu es parti. Le pasteur un tel est venu, brrr, c'est comme si il y a une sœur dernièrement qui était parmi nous dans le GEC. L'autre me disait, frère Armando, moi je connais déjà plusieurs hommes de Dieu. Chaque fois qu'on l'homme de Dieu est en train de une campagne d'évangélisation en Afrique, brrr, ils sont partis. Campagne d'évangélisation aux États-Unis, brrr, ils sont partis. Campagne de bail brut. Mais ça, c'est quelle foi, ça? Ça, c'est quelle foi? Ça, c'est quelle foi? Dès que vous voyez seulement, il y a un homme de Dieu qui a longtemps qui a fait un miracle, vous êtes parti. Il y a un homme de Dieu qui a déchiré le lion, vous êtes parti. L'homme de Dieu qui a coupé les jambes, non, mes frères, ça, c'est quoi ça? Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas se laisser, frère. Non. Toi, tu es chrétien. Reste solide. Tu es solide. Tout ce que tu peux écouter, mais tu es solide. C'est ça le chrétien. Ce n'est pas bon, il y a un homme de Dieu qui est venu là-bas, bon, déjà tu es parti. Et vous partez là-bas, on vous donne des prières. Comme on entend. On vous donne des prières. Mais frère, mais comment ça se fait-il que toi, tu vas dans une église et arrivé là-bas, le pasteur vous donne des prières. Oh, mais ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'un pasteur peut te donner des prières? Il n'y a pas de sens. Oh non, mes frères Armando, mais ces prières-là nous guérissent. Oh, mais vous ne savez pas que le diable aussi guérit. Le diable aussi guérit. Comment est-ce qu'on peut vous donner les prières? Venez prendre les prières. Oh, ça, c'est quoi ça? Venez acheter l'huile d'onction. Mes frères, mais est-ce qu'on peut acheter l'huile d'onction? Venez acheter l'huile d'onction. Et vous partez même loin. C'est comme si maintenant c'est toute chose qui est venue d'onction. L'huile d'onction, les pochettes d'onction, les bougies d'onction. Dernièrement, j'ai vu là-bas les pains d'onction. Les pains d'onction. Mes frères, comment est-ce qu'un pain peut être d'onction? Malheureusement, les gens ne comprennent toujours pas. Ils vont toujours acheter. Vous voyez comment est-ce que le diable a aveuglé l'intelligence et sagesse de plusieurs personnes. Le diable a aveuglé l'intelligence et sagesse de plusieurs personnes.
On peut montrer ici, en fait, dans les médias, un pasteur qui viole les sœurs. On montre dans les médias. On peut dénoncer, on peut tout faire. Mais, malheureusement, après une semaine, nos sœurs, vous êtes partis. Et, mais vraiment, qui vous a fasciné? En plus, vous remarquez dans ces églises, la majorité, ce sont les sœurs. La majorité, ce sont les sœurs. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide, nous fortifie, sortez de toutes ces pratiques, toute pratique qui ne correspond pas à ton salut, sors de là. Toute pratique qui ne correspond pas à la piété, mais sors de là. Ça va rien te donner. Concentrons-nous sur ce qui peut te donner le salut. Concentre-toi sur ça. Ce qui ne te donne pas le salut, tu perds ton temps pour rien. Eh bien aimé, pourquoi perdre le temps pour rien? Vraiment que le Seigneur nous fortifie, nous bénisse, nous garde, nous donne la paix du cœur. Père éternel, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus-Christ, toi qui fortifies tes enfants. Mes sœurs, mes frères, entre tes puissantes mains, Père Karinake, toi qui nous enseignes afin que nous puissions suivre ta parole comme il le faut. Béni garde, protège, puissant nom magnifique, Père, nous avons supplié, nous disons Amen.